Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300 euros pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications. Pour ne louper aucune de mes vidéos, faudra liker mes vidéos, faudra commenter. Et surtout, le plus important les potos, faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le Master Kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 sur le nouveau DLC Le Trône Sombre. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer un glitch que vous allez pouvoir faire à la salle du boss, comme ça vous allez pouvoir réussir la salle du boss plus facilement si vous voulez glitcher. Alors première chose que je vous conseille, c'est tout simplement de laisser un zombie tranquillement dans la pièce pour pouvoir faire le glitch facilement. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous expliquer tranquillement. Attendez, je vais juste me mettre en camouflage. Donc ça se passe ici. Vous voyez la petite rampe, vous sautez ici et là vous montez. Puis après le but c'est de sauter sur le câble ici. Donc je vais mettre mon camouflage pour être tranquille. Donc vous sautez ici sur la barre, hop. Après vous savez, vous pouvez plus sauter. Donc là vous devez courir et mais forcez bien sur la gauche. Vous courez, vous sprintez, vous sautez mais vous forcez bien votre analogue vers la gauche pour pas retomber à droite en fait, tout simplement. Donc là, il va falloir faire plusieurs essais. Moi, je vous conseille de vous entraîner un petit peu, hein, jusqu'à temps que vous y arrivez. Voilà, c'est bon, là, j'ai réussi. Vous avez vu? Mais c'est assez compliqué, mais franchement, si vous trouvez le coup de main, vous allez y arriver. Donc, quand vous avez fini de vous entraîner, bah là, bah, vous allez tout simplement tuer le Dr. Strobe, donc en finissant les plateformes, donc les panneaux de configuration. Donc voilà, on met le dernier panneau. OK. Et là, ben, tout simplement, la manche va passer. Ou même, carrément, vous passez la manche, vous tuez le dernier zombie, ben, c'est bon, il est mort tout seul. Et là, ben, vous avez 20 secondes pour vous y mettre. Donc voilà, j'ai réussi à monter. Mais le problème, c'est que moi, je suis en solo. Donc, je peux pas faire spawn le boss. Parce que tout simplement, pour faire spawn le boss, ben, faut aller jusqu'à l'entrée. Mais si je fais spawn le boss, ben, j'arriverai pas à retourner en solo. Ben, parce que j'ai pas de camouflage, je suis en solo. Donc, c'est plus compliqué. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce glitch à plusieurs. Donc, ce que je vous conseille, c'est fortement de vous mettre à 3 dans le glitch. Puis, un seul va activer le dernier panneau d'alimentation pour tuer Dr. Strobe. Et puis, après, ben, y a une personne qui ira activer le boss. Et puis, quand le boss sera bien glitché en bas et que la quatrième personne aura le temps de retourner dans le glitch, ben voilà, la quatrième retournera dans le glitch. Et quand vous êtes tous les 4 en haut, normalement, vous serez invincible. Après, c'est peut-être possible que le boss vous touche avec sa fumée s'il est vraiment en dessous de vous et qu'il met sa fumée en dessous de vous. Donc si ça se passe, bah là vous devriez partir quoi, tout simplement. Mais sinon si ça se passe pas, si ça ne vous tue pas, bah, vous serez vraiment invincible. Moi j'ai pas encore fait le test, mais je vous laisse faire le test et le dire en commentaire parce que moi j'ai pas eu le temps de le faire. En plus que je suis solo, bah, je suis mort juste après. J'ai essayé de retourner dans le glitch en solo, mais j'ai pas réussi. Donc voilà, alors quand vous êtes en haut, ben, vous avez des munitions illimitées avec le Wonderbuzz. Donc gardez bien votre Wonderbuzz, comme ça vous rechargez votre Wonderbuzz avec les zombies qui pilopent juste en dessous de vous. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.